Et donc, tu vas le rappeler? Je sais pas, il s'est montré un peu évasif la dernière fois que je l'ai vu. Bon, en même temps, avec autant d'alcool dans le sang... Oh, tu sais très bien que c'était une occasion spéciale. Ah, peut-être, mais bon, il faudrait que tu sois sûr de ses intentions quand même. T'es obligé de jouer les frères protecteurs, hein. Bah, excuse-moi de vouloir le meilleur pour toi. Est-ce que tu réalises ce qu'implique votre relation, si elle devient officielle? Commence pas, s'il te plaît. Écoute, je dis ça simplement parce que je m'inquiète. C'est la première fois que ça arrive et je sais pas si le monde est prêt. Mais le monde n'est jamais prêt. Ça veut dire que je dois ravaler mes sentiments juste pour bon plaisir du peuple? Ce n'est pas ce que je dis, mais tu sais très bien que comme pour toutes les races et les peuples qui ont été discriminés par le passé, celle-ci ne sera pas différente. Il y aura des gens violents qui voudront vous faire la peau. Et je ne peux pas te protéger tout le temps. Et alors quoi? Je dois vivre dans la peur? Je dois rester caché? C'est toi qui m'as appris que je devais me battre pour ce en quoi je crois, je te signale. Oui, mais ce en quoi tu crois impacte le monde entier et ça pourrait se retourner contre toi. Mais pourquoi? Parce que c'est un extraterrestre. Il vient d'une autre planète. Aucun d'entre eux ne s'est accouplé avec un humain. On sait pas ce que ça peut engendrer. Ils ont la même physionomie que nous. Ce sont peut-être juste des humains venus d'ailleurs. Ils ont la peau bleue et une corne sur le front, bordel! De toute manière, je savais que tu n'approuverais pas. J'ai pas dit ça, tu sais très bien que je suis le premier à encourager les rencontres intra-espèces. Mais nous ne savons rien d'eux, ils ne sont arrivés sur Terre qu'il y a un an. Et le reste de leur flotte va bientôt arriver. Je veux juste m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Merci petit frère. Bon allez, moi je dois aller vérifier que le nouveau jardinier n'a pas bouffé le chien du voisin. Ah. Oui, puis il y a déjà eu deux accidents ce mois-ci alors... D'accord, bon, tu me tiens au courant alors. Hein. Oui, allez, à plus. Ciao Frangine.